Bonjour à tous. Alors, je pensais pas refaire une vidéo sur ce thème de sitôt, mais je vais être obligé d'en reparler. YouTube m'y a réincité. Alors, faut savoir que ce matin, les créateurs de vidéos sur YouTube ont reçu un petit mail leur disant que les chaînes de moins de 1000 abonnés et qui comptabilisent moins de 4000 heures de visionnage dans les 12 derniers mois ne seront plus monétisées à partir du 20 février. Le fait est, je pensais que leur précédente politique qu'ils avaient mis en place était à peu près, on va dire, définitive, ou en tout cas sera amenée à évoluer dans un peu plus longtemps. Mais en fait non, il s'avérait d'un tremplin qui leur, à mon avis, a permis de tester les effets d'augmenter le palier pour la monétisation. Et donc là, ils viennent de remonter encore le palier. Alors, est-ce qu'ils le remonteront après encore davantage? J'en ai aucune idée, mais là, autant vous dire que je risque pas de courir après parce qu'il est un peu loin. Alors la dernière fois j'étais au palier qu'avait demandé YouTube pour la chaîne Dark Tal Urbex, mais je n'y étais pas pour RMDB Corp. Maintenant c'est chose faite, je suis passé au palier donc avec RMDB Corp aussi. Mais bon, vu leur nouvelle politique qu'ils viennent de mettre en place, je risque pas de passer ce palier de sitôt. Parce que les 1000 abonnés, bah, comme vous le savez, on vient de passer les 400. Et comme vous le savez, RMDB Corp est à moins de 100 abonnés, 91, 92, un truc dans ces eaux-là. Alors en soi, moi je n'ai rien contre cette idée. Pourquoi pas? Je ne sais pas quels sont les effets qu'elle a à grande échelle, mais pourquoi pas? Je m'en fous un petit peu de m'asseoir sur les petits revenus YouTube qui sont très infimes, même si je trouve ça un peu dommage de faire une croix pour moi sur une quarantaine d'euros. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est quelque chose qui s'est fait petit à petit et que j'aurais apprécié recevoir, parce qu'acheter un petit micro cravate pour pouvoir enregistrer le son sur cette vidéo là par exemple m'aurait fait plutôt plaisir, vous vous en doutez. Cela dit, alors que le mail vient à peine d'être reçu ce matin, on en voit un petit peu déjà les premiers problèmes. Il y a une vague de chaînes qui ont quelques centaines d'abonnés, qui sont soit proches des 1000, soit en tout cas qui sont plusieurs centaines d'abonnés, qui s'abonnent à plein de chaînes uniquement pour qu'on rende l'abonnement, qu'on s'abonne aussi à leur chaîne, car ils ont vu d'atteindre les 1000 abonnés. Alors, en soi, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte des abonnés fantômes. C'est-à-dire que les gens vont se retrouver avec des abonnés qui ne regarderont pas leurs vidéos. Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça leur apporte? Je ne sais pas. Même pas le fait d'être monétisé, je ne pense pas. Puisque j'ai fait des petits tests, et pour avoir 4000 heures de visionnage, il faut beaucoup plus que 1000 abonnés. Il en faut 4000. Voilà. Alors, le fait est qu'en fait, il faut 4 fois plus de... Enfin, votre nombre d'abonnés vous donne vos nombres d'heures de visionnage les 12 derniers mois. C'est à peu près équivalent. J'ai vérifié sur de nombreuses chaînes à moins de 100 000 abonnés. Et ça marche pour à peu près toutes les chaînes. Parce qu'on fait tous des vidéos qui sont à peu près de la même durée, entre 2 et 5 minutes, ou 10 minutes même. Mais même 10 minutes, le public reste à peu près le nombre de temps, un nombre de temps équivalent sur la vidéo. Et quand quelqu'un produit une vidéo de 10 minutes, il ne produit pas 5 vidéos de 2 minutes. Donc le fait est qu'il ne faudra pas 1000 abonnés, mais 4000 vrais abonnés pour pouvoir atteindre ces 4000 heures de visionnage dans les 12 mois précédents. Ce qui fait que tous les gens qui s'abonnent aux autres chaînes et qui attendent qu'elles rendent, n'y gagneront rien. Elles atteindront certes les 1000 abonnés, mais ce ne sera pas suffisant pour être à nouveau monétisé. De plus, personnellement, je ne compte pas rendre les gens qui s'abonnent à ma chaîne pour une simple et bonne raison, c'est que j'aime la plateforme YouTube fortement, que j'y regarde beaucoup de vidéos et que je suis beaucoup de créateurs. Ce qui fait que si je m'abonne à beaucoup de chaînes, eh bien, je vais spammer mon propre fil d'actualité YouTube. Donc, je compte pas le pourrir. Voilà. Donc, j'attends de voir qu'est-ce que cette nouvelle politique YouTube va donner. Pour moi, eh bien, ça c'est la fin de la monétisation, donc la fin des publicités avant mes vidéos. Vous en serez peut-être content. Moi ça me passe un peu 3000 au-dessus. Je vous dis, à part le fait qu'effectivement je fais une croix sur une quarantaine d'euros qui aurait pu me servir à acheter un petit micro cravate pour cette vidéo, entre autres, ça change pas grand chose à ma vie. Pour RMDB Corp, ça rapporte absolument que dalle, donc bon, là c'est comme si c'était rien du tout. Donc voilà, on verra ce que ça donne à l'avenir, on verra comment évolue YouTube et comment il s'en sort avec ça. Le fait est que pour le moment, on se retrouve avec une vague de chaînes YouTube à plusieurs centaines d'abonnés qui s'abonnent dans le seul espoir que les autres leur rendent leur abonnement. Ce qui n'est pas forcément hyper productif et je suis pas sûr que ce soit vraiment la volonté de YouTube.